À la une de l'actualité africaine, ce dimanche, le M5-RFP rejette la charte de la transition présentée samedi par la junte. Et là, nous sommes au Mali, où les mouvements contestataires dénoncent la volonté d'accaparement et de confiscation du pouvoir au profit du Conseil national du salut du peuple institué par les putschistes du 18 août 2020. Au Burkina Faso, une dame parmi tant d'hommes se positionne pour la conquête du fauteuil présidentiel. Yeli Monique Kam, c'est son nom, est candidate à la présidentielle du 22 novembre 2020 sous la bannière de son parti, le Mouvement pour la Renaissance du Burkina. Mais qui est cette dame? Portrait à suivre dans ce journal. Au Canada, une enveloppe de 82 milliards de francs CFA est allouée pour le développement par le gouvernement de Justin Trudeau pour venir en aide aux entreprises d'origine africaine. Objectif, à permettre à ces PME détenues par les Noirs d'accéder à des formations en gestion et planification financière. Voilà pour les titres de ce 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Merci de votre fidélité et bienvenue aux actualités africaines sur la chaîne Au cœur de l'Afrique. Au Mali, le mouvement M5-RFP a dénoncé la volonté d'accaparement et de confiscation du pouvoir au profit du Conseil national du salut du peuple institué par les putschistes du 18 août 2020. Ce dimanche, le mouvement a rejeté la charte entérinée par la junte prévoyant une transition de 18 mois, affirmant que le document final lu lors de la cérémonie de clôture des 3 jours de concertation nationale sur la transition à Bamako ne correspond pas aux résultats des délibérations. Le communiqué cite notamment l'absence de reconnaissance de son rôle et de celui des martyrs dans la lutte du peuple malien, et ainsi donc que le choix majoritaire d'une transition dirigée par une personnalité civile. Le M5-RFP dénonce des intimidations, des pratiques antidémocratiques et déloyales dignes d'une autre époque et se démarque du document produit et précise-t-il ne reflète pas les points de vue et des décisions du peuple malien. Il est à noter que le groupe de colonels ayant pris le pouvoir à Bamako le 8 août 2020 est sous forte pression pour dévoiler son plan de restauration du pouvoir aux civils. En République de Côte d'Ivoire, l'ex-président Henri Konan Bédier a appelé à l'union de l'opposition ivoirienne lors des meetings animés ce samedi à Yamoussoukro. Le sphinx de Daoukro, comme on l'appelle, ambitionne de revenir au pouvoir plus de 20 années après avoir été renversé par un coup d'État. Âgé de 86 ans, Henri Konan Bédier veut rassembler l'opposition et voudrait compter sur le soutien politique de Laurent Gbagbo ainsi que de Guillaume Soro, dont les candidatures ont été déposées par leurs partisans respectifs. Ces deux poids lourds de la politique ivoirienne sont tous les deux exilés, respectivement en Belgique et en France. Et samedi, des délégations de leurs partis respectifs, le Front populaire ivoirien et Génération et Peuple solidaire, étaient présentes dans l'Assemblée. Le Conseil constitutionnel ivoirien doit statuer et publier cette semaine la liste des candidatures validées pour la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire et devrait suivre le chemin de la Commission électorale indépendante et invalider les deux candidatures selon des sources judiciaires. Une situation qui pourrait bien profiter à la candidature d'Henri Konan Bédier, déterminée à rassembler l'opposition ivoirienne. Élection présidentielle toujours et cette fois-ci au Burkina Faso où plus d'une dizaine de candidatures sont déjà déclarées pour la présidentielle du 22 novembre 2020. Dans le lot, une candidature fait la différence, celle de Yeli Monique Kam, unique femme pour l'instant à la conquête du fauteuil présidentiel au Burkina. À 47 ans, elle a été investie le 18 août dernier par son parti et veut faire de l'éducation le fer de lance du développement du Burkina Faso. Mais qui est cette dame candidate à la présidentielle de 2020? La réponse avec Linda Kabore dans ce reportage. À 47 ans, Yeli Monique Kam, technicienne d'assurance et entrepreneur, se lance dans la course à la magistrature suprême au Burkina. Pour atteindre ce but, elle compte sur un parti, le Mouvement pour la Renaissance. Elle en est la présidente et la génitrice. Mariée et mère de 5 enfants, Yeli Monique Kam dit s'être lancée dans la politique à partir d'un constat qui date de la période des indépendances. Le constat est que les inégalités se creusent. Et il y a une masse de diplômés chômeurs, des femmes qui sont dans la pauvreté. Et c'est le constat de tous ces échecs-là qui me motive aujourd'hui à me lancer dans la politique. Et vous voyez, ce n'est pas une question de personne,
ni de manque de diplômés, puisque nos dirigeants ont tous des profils de gradés, de diplômés, de scientifiques, de docteurs, mais n'ont pas pu faire le bon choix pour sortir notre pays de la pauvreté. Aujourd'hui, c'est ce qui me révolte et m'appelle dans la politique, dans l'arène politique. Parmi les 15 candidats officiellement en lice, Yeli Monikam est jusque-là la seule femme. Et cette faible représentativité des femmes se constate aussi bien en politique que dans les sphères décisionnelles. Pour preuve, sur 32 ministres, seulement 7 sont des femmes. Idem pour l'Assemblée nationale avec 15 femmes élues députées sur 127. Et cette situation, Yeli Kam veut la changer. Je m'engage en politique, c'est aussi pour ouvrir la voie aux femmes qui hésitent encore à venir dans la politique. Puisque nos gouvernants nous ont toujours montré que la politique, c'est un milieu où on perd la dignité. Alors que la politique, c'est le domaine de privilèges et de droits. Aujourd'hui, nous les femmes, nous devons nous intéresser à la politique pour prendre en main notre destin, pour répondre aux besoins de nos populations et de nos enfants qui sont dans le chômage. J'ai juste ouvert la porte à d'autres femmes et j'appelle les autres femmes à me soutenir, les jeunes à me soutenir, parce que lorsque les mamans s'engagent, les mamans, elles sont vraies, elles sont intègres. Et en tant que mère, j'ai une réponse, une solution pour ce pays-là. Je veux vraiment participer. Je viens avec un cœur de mère, un amour maternel, un amour inconditionnel pour ce pays. Et j'ai besoin d'impacter cette nation-là. Titulaire d'un bac plus 5 en marketing stratégique, Yeli Monikam est convaincue que nous devons dépasser cette conception francophone attachée au diplôme, car selon elle, ce ne sont pas les diplômes qui vont développer le pays. Avec une sensibilité de mère, elle croit fermement en la réussite de la jeune génération et cela passe nécessairement par la qualité de l'éducation reçue. D'où son surnom, la Nyenenga de l'éducation. Et pour elle, il faut en priorité une refonte du système éducatif burkinabé. Avec des actions telles que des campagnes de formation à travers des centres de métiers, des campagnes de formation pour que le jeune Burkinabé soit opérationnel. Le jeune Burkinabé diplômé soit capable d'utiliser ses droits, être utile à lui-même et pour la communauté et pour la nation. Aujourd'hui, les jeunes trouveront la réponse à travers le MLB. Nous entendons créer 1 million d'emplois par an dans tous les secteurs d'activité, à savoir agriculture, industrie et dans le secteur privé. Aujourd'hui, moi en tant qu'entrepreneur, je suis offusquée de recevoir des diplômés, des docteurs qui ne sont pas capables de répondre aux attentes de nos entreprises. Et il est inadmissible qu'on puisse continuer dans ce système francophone. Il faut changer les mentalités, construire une nouvelle mentalité. Une nouvelle mentalité capable de transformer l'adversité en avantage. Yeli Monikam dit s'être bien préparée avant de se lancer dans la politique, et ce, avec le soutien de son époux et de ses enfants. Au soir du 22 novembre prochain, elle escompte faire mieux que Sarah Sérémé, Françoise Toué et Joséphine Zon, candidate malheureuse aux élections de 2015. Autrement dit, Yeli Kam ne vise ni plus ni moins que le palais de Kossiam. Politique toujours, cette fois-ci au Sénégal, où d'anciens membres du PDS, le Parti démocratique sénégalais d'Abdoulaye Wade, ont déposé une demande officielle de création du Parti des libéraux et démocrates, Unité pour le changement. Et c'est un pas de plus dans le divorce au sein de la formation libérale de l'ancien président sénégalais. À la tête du nouveau parti, Oumar Sarr, ancien bras droit d'Abdoulaye Wade, à ses côtés Maître Amadou Sall et Babacar Gueye, également ex-ténor du Parti démocratique sénégalais. En rupture avec la ligne officielle contre la place accordée à Karim Wade, fils de l'ancien président en exil au Qatar, le nouveau parti qui se dit de l'opposition revendique déjà des adhérents de la plupart des départements au sein de la diaspora. Sa devise « liberté, éthique et solidarité » en ligne de mire, les élections locales prévues en principe en mars 2021, l'organisation du tout premier congrès de ce parti a été pratiquement impossible par la faute de la situation sanitaire au Sénégal. Une conférence de presse est annoncée ces prochains jours pour préciser le programme de ce parti politique.
Retour en Côte d'Ivoire, je vous le disais à l'instant, l'ex-président Rikona Bédié a appelé à l'union de l'opposition ivoirienne lors des meetings animés samedi à Yamoussoukro, le sphinx de Daoukro, comme on l'appelle, ambition de revenir au pouvoir plus de 20 années après avoir été renversé par un coup d'État. Des précisions avec Ilias Kabouri. Du beau monde ce samedi à la place Jean-Paul II à Yamoussoukro pour investir officiellement Rikona Bédié comme le candidat du PDCI-RDA à la présidentielle ivoirienne du 31 octobre. Une simple formalité puisque l'ancien président a déjà déposé sa candidature à la Commission nationale électorale indépendante à la fin du mois d'août. Le parti de l'éléphant revient en force pour la conquête du fauteuil présidentiel. En 2015, l'ancien président avait renoncé à s'y présenter pour privilégier la réélection de Alassane Ouattara, son allié depuis les années 2010, dans le cadre du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et le progrès, RHDP. À 86 ans, Henri Konan Bédié va tenter d'arracher le pouvoir qu'il a perdu dans le coup d'État de Noël 1999. Mais il devra pouvoir remettre dans les rangs de vives contestations de partisans qui souhaitaient un virage générationnel. Il devra également surmonter un autre obstacle qui pointe à l'horizon. Son statut de membre du Conseil constitutionnel en tant qu'ancien chef de l'État fait polémique et sert d'argument à ses adversaires pour appeler le même Conseil constitutionnel à invalider sa candidature. L'avocat du PDCI, Maître Émile Suibi, conteste cette vision des choses. Selon lui, Henri Konan Bédié n'est pas membre du Conseil constitutionnel puisqu'il aurait déjà renoncé à cette qualité en 2004. En outre, l'article 131 de la Constitution stipule que les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction politique. Or, en tant que président du PDCI depuis 1994, Henri Konan Bédié n'a donc jamais pu être membre de l'institution. Il ne s'est d'ailleurs jamais prévalu de cette qualité, selon Maître Suibi. Les regards sont donc tournés vers le Conseil constitutionnel qui doit se prononcer sur la validité des candidatures d'ici au 16 septembre prochain. Au Burkina Faso, il ne reste plus que quelques jours pour qu'il comparaisse devant le conseil de discipline du ministère en charge de l'éducation nationale. Basolma Bassier, secrétaire général de la CGTP, doit se présenter jeudi prochain à midi pour s'expliquer de manquements professionnels. Il lui est reproché notamment d'avoir exécuté seulement 3 heures de cours par semaine au lieu de 10 qui lui ont été assignés courant l'année scolaire écoulée. Depuis la publication de cette convocation, le débat enflamme les réseaux sociaux ici au Burkina. En attendant le fin mot de cette affaire, Fabé Mamadou Ouattara revient sur les faits qui conduisent le général devant les tribunaux de son département ministériel. Reportage. Est-ce que vous continuez à enseigner au lycée Zenda de façon régulière? Est-ce que vous ne manquez pas les cours au regard de vos occupations? Dites-nous. Vous êtes un travailleur. Je continue les cours, je suis toujours enseignant au lycée Philippe Zenda Kabore. Basolma Bassier répondait à cette question en début d'année, au moment où l'application de l'IUTS sur les primes et indemnités des fonctionnaires avait suscité une levée de boucliers dans le monde syndical. 8 mois après, le secrétaire général de la CGTB est encore à la une. Sa hiérarchie l'accuse de manquements professionnels, de quoi susciter une nouvelle polémique avec, d'un côté, ses fidèles qui y voient de l'acharnement, et de l'autre, ses critiques, qui serait juste qu'on puisse enfin fermer cette grande gueule. Mais qu'en est-il exactement? Reçu chez notre confrère Radio Omega, le chef du département en charge de l'éducation, Stanislas Waro, explique que cette convocation en conseil de discipline tient en une question de volume horaire. Mais selon l'intéressé, cet argumentaire de sa hiérarchie est une aberration et une méconnaissance des autorités autour des textes qui régissent la Convention 97 de l'Organisation internationale du travail que le Burkina Faso a signé. Puisque la Convention que nous avons ratifié, dit clairement à son article 11 que tout responsable syndical élu pour occuper la tête d'une organisation doit être libéré de toutes ses tâches. Okay. À la fin de son mandat, l'État peut le réaffecter dans un autre milieu où il le souhaite en fonction de ses nouvelles capacités. Et vous bénéficiez pas de ça. Cette convention a été, elle est appliquée au Ghana, elle est appliquée en Côte d'Ivoire, tous les pays limitrophes, sauf au Burkina. C'est de la mesquinerie politique qui est faite. Ça veut dire qu'on fait en sorte à ce que tu sois surchargé. Si on ne peut pas t'assassiner, si on ne peut pas t'empoisonner, on te surcharge de sorte avoir l'espoir que dans 5 ans, 6 ans, si tu continues dans le même rythme, tu vas sombrer de toi-même. C'est ça qui est mis en œuvre. Toujours brandi par le secrétaire général de la CGTB, cet argument ne convainc pas non plus sa hiérarchie, ce qui lui vaut d'ailleurs d'être traduit en conseil de discipline. Si l'instance trouve matière à sanction, le professeur de SVT au lycée Zenda encourt un retard d'avancement, un abaissement d'échelon ou même la révocation.
En attendant le verdict du rendez-vous du 17 juin, Bassoma Bazier, qui a dû produire deux lettres d'explication pendant la même année scolaire, souhaite que l'audition soit publique. Plusieurs syndicats appellent aussi leurs militants à aller soutenir le général. De quoi présager d'une nouvelle agitation à deux semaines de la rentrée scolaire. Retour en République de Côte d'Ivoire pour parler économie à présent avec cette bonne nouvelle pour les producteurs. Le prix du cacao revu à la hausse. L'annonce a été faite par le président ivoirien à Bonyoumoi dans le centre-est du pays. Là-bas, Alassane Ouattara a achevé une visite de 4 jours. Interrogé par un journaliste lors de la conférence de presse bilan, marquant la fin de la visite, le président ivoirien a annoncé que le prix du cacao va augmenter le 30 septembre. Nous ferons un conseil des ministres à Yamoussoukro et nous aurons une bonne nouvelle annoncée aux paysans, a ajouté Alassane Ouattara sans plus de détails. Le prix minimum garanti du cacao en Côte d'Ivoire, premier pays producteur mondial, est fixé à 825 francs le kilogramme pour la campagne intermédiaire 2019-2020. Une autre bonne nouvelle, cette fois-ci pour les entrepreneurs d'origine africaine installés au Canada. Le gouvernement canadien a décidé de leur venir en aide avec une enveloppe financière de 93 millions de dollars canadiens, soit 82 milliards de francs CFA. Cet argent investi par Ottawa va aider notamment les Noirs propriétaires de PME à avoir accès à la formation en gestion et planification financière ainsi qu'à des prêts pour croître leur société. Il s'agit d'un programme sans précédent au Canada. En République démocratique du Congo, au moins 50 personnes sont mortes sous les décombres d'une mine d'or qui s'est effondrée près de Kamituga, dans l'est du pays, selon une annonce des autorités locales. L'effondrement s'est produit sur le site minier suite à de fortes pluies, selon la présidente de l'initiative de soutien et de supervision sociale des femmes. Plusieurs mineurs étaient dans le puits et ont été ensevelis et personne n'a pu en sortir. On parle d'une cinquantaine de jeunes gens, a-t-elle ajouté. Les accidents miniers sont fréquents dans les mines artisanales non réglementées en République démocratique du Congo. Culture à présent et retour au Burkina Faso. Allons à la découverte de la communauté Kurumba. C'est un groupe ethnique bien présent dans le centre du Burkina. Et pour mieux se faire connaître, les Kurumba du Burkina Faso organiseront 2 jours d'activités culturelles les 17 et 18 octobre 2020 ici à Ouagadougou. Cette activité a fait l'objet d'une annonce officielle ce 13 septembre 2020 à l'occasion d'une conférence de presse animée à cet effet. On en sait plus avec Achille Ouedraogo et Magyara Baro. À l'image, des pas de danse Kurumba sur fond de rythme traditionnel. Pour mieux découvrir les pans de la culture de ce groupe ethnique du Burkina, l'association Kurumba prévoit un événement, les Journées culturelles Kurumba. Des journées dont la deuxième édition est prévue du 17 au 18 octobre prochain. Il s'agit à travers cette activité de faire la promotion de la culture Kurumba et partant, assurer son rayonnement au plan national. Durant 72 heures, la manifestation va se décliner à travers diverses activités avec comme thème principal les Kurumba, histoire et patrimoine culturel. Concrètement, nous avons 2 jours pour nous exprimer. Le premier jour, nous allons ouvrir l'activité avec une cérémonie d'ouverture et à la suite de cela, nous allons ouvrir un village artisanal. Le village artisanal dans lequel il y aura des expositions de tout genre, parlant de culture bien sûr, et il y aura effectivement une nuit culturelle dédiée à la culture Kurumba, c'est-à-dire qu'il y aura des artistes qui prestent en Kurumba, des artistes traditionnels, modernes, tradits modernes, mais aussi des artistes d'autres formations culturelles comme les Kurumanchés, les Bissa qui sont invités, qui seront là effectivement, les Dogons, les Peuls, et il y aura également une conférence publique qui va nous édifier sur le patrimoine culturel des peuples Kurumba et leur histoire. Ces différentes activités vont se tenir en respectant les mesures de protection contre le Covid-19. Les Kurumba sont une ethnie du Burkina que l'on rencontre entre autres dans les localités telles que Arbinda ou encore Titao. Et cette édition de leur journée culturelle se tient sous le parrainage du ministre de la Culture qui, par le jeu des alliances, est un parrain à plaisanterie des Kurumba.
Culture toujours et direction dans l'ouest du Burkina, précisément à Bobo Dioulasso, où des jeunes entrepreneurs culturels ont lancé dans la soirée du vendredi dernier Miss Saramaya. Il s'agit d'un concours de beauté avec pour objectif de magnifier la femme à la peau noire. On en sait plus avec Abdoulaye Ouattara. Elles étaient 32 au départ et 10 ce soir pour s'exprimer sur la question de la femme, mais aussi la question de la dépigmentation. Miss Saramaya, pour défendre la beauté de la femme à la peau noire, est à sa première édition. La Miss du soir repartira en plus de la couronne avec une moto. Tour à tour, les candidats se sont exprimés sur cette question qui reste la troisième cause de santé publique après le paludisme et les maladies respiratoires. Une activité bien appréciée par les premières autorités en charge de la culture dans la région des Hauts-Bassins. Pour une première, je crois que ça a été une réussite. En tout cas, je les exhorte pour les prochaines éditions à mieux faire. Toujours la dépigmentation, effectivement, est un phénomène qui gangrène en tout cas la jeunesse burkinabé en général et de la région des Hauts-Bassins en particulier. C'est devant un public en majorité jeune que l'étudiante en troisième année de lettres modernes, Awa Kone, est élue Miss Saramaya. Dernier pas de complexe de la peau blanche, plusieurs personnes de teint noir assimilent la beauté à une peau claire, les poussant ainsi à se dépigmenter. Pourtant, cette peau noire, si elle est entretenue avec une pommade faite à base de beurre de qualité, n'a absolument rien à dire à une peau claire. Kotcho pour les Togolais, décapage pour les Sénégalais, tchatcho pour les Burkinabés, la dépigmentation a de nombreuses conséquences sur la peau. Des autorités et des acteurs de la défense de la cause de la femme ont apporté leur soutien à cette initiative des jeunes de la ville de Sia. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est sur ces images que se referme cette édition du 20h. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'info revient demain 20h sur les antennes de LCA Télévision. Excellente suite de programme à toutes et à tous.